Salut tout le monde, c'est Chiro, bye. J'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'hab, nickel, ça va nickel. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se fasse un kiff avec le live, un petit live nostalgie, enfin là plus une vidéo nostalgique. J'ai vu, enfin vous avez tous vu la vidéo, mais moi je l'ai pas encore vue. Crunchyroll qui avait posté une vidéo, c'est les 1000 épisodes de One Piece en une seconde. Enfin une seconde de chaque épisode des 1000 de One Piece pour fêter les 1000 épisodes. C'est une énorme dinguerie, il y a quasiment... Ça se compte dans les doigts d'une main, je pense. Les animés qui ont plus de 1000 épisodes, c'est les Pokémon, Sazae-san, Doraemon, One Piece. Il y en a très très peu qui ont autant d'épisodes dans leur animé. Et du coup, bah, Crunchyroll, ils se sont fait un kiff de me faire du coup, les 1000 épisodes en une seconde chacun. Du coup, ça donnera genre 10 minutes. Ça peut rappeler des souvenirs, tout ça et tout, vraiment stylé. Ouais, Détective Conan aussi. Conan aussi, c'est vrai, 1000 épisodes. Et du coup, tu vois, t'en as 5, très très peu quoi. Bref. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. C'est le cas, pouce bleu, commentaire, abonnement, tu connais mon ref. Évidemment, nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 19h. Chiro, bye! Ah oui, et au fait, j'ai vu dans mes paramètres YouTube que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Et c'est dommage, mon ref, si tu regardes les vidéos, abonne-toi, on est ensemble. Allez, bon visionnage. Ok, Alvida, Zoro, Shanks, Baggy, Baggy le GOAT! Bref, ne disons pas plus. Usopp. Ah ouais. Kuro là c'était avec Usopp. Incroyable. Gaimon, le passé de Zoro. Sanji full body là. Avec Dunkring, Mihawk, Zetaini Makene. Oh là là. Ça, ça passe vite tous les épisodes là. Ah ouais, Arlong Park, Nami. Oh c'était une dinguerie ça Nami hein. Moi j'ai commencé One Piece à ce moment là. Moi One Piece, quand j'ai commencé One Piece, c'était sur, du coup, c'était sur Direct Star. C'était même Virgin 17. Et quelques semaines après, ça s'est passé en Direct Star. Et c'était vraiment l'épisode... Enfin, genre, j'ai maté deux épisodes. Et le deuxième, c'était Nami qui se plantait l'épaule, là. C'est là où j'ai commencé One Piece. Et après, bon, j'ai maté ce qu'il y avait avant, après, quoi. Évidemment. Mais c'était il y a 11 ans, hein, déjà, hein. Baggy. Jure, ça fait l'opening 2. Tralalalala, incroyable. Là, ça monte à Grand Line. Ça, c'était un HS. Ça, c'est un hors-série, ça. Il était sympa, en vrai. Allez, Red Line. La Boon. Let's go. Cheat. Vivi, là. Oh, Garp. Oh, qui se rappelle l'époque où Garp, il avait son casque de chien? Ah, ça me fumait, ça. Oh. Ah oui, là, avec Mr. Free. Avec les géants, Wapol. Oh là 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 là. Là, quand même, c'était... Genre Chopper, c'était quand même épisode 85, hein. C'était déjà quand même 85 épisodes. C'est énorme, en vrai, hein. Pour One Piece, c'est que dalle. Là, aujourd'hui, c'est même pas 10%, tu vois, et tout. Mais, enfin, quasiment, mais... Genre c'est énorme. C'est énorme hein. Et nous... Oh Ace quand on l'a vu la première fois. Wesh. Oh là Ace. Oh mon frère. À la basta là hein. Oh le papy de Yuba. Oh Bankley le GOAT. Oh là là. Oh ça c'était une dinguerie ça. Ça, attends, on peut revenir en arrière s'il vous plaît. Oh, ça c'était une énorme dinguerie de fou hein. Oh, je me rappelle genre ouais j'avais peut-être 11 ans à ce moment là 10 ans là. J'ai pété mon crâne hein. Parce que tu sais, moi j'ai fait la transition, voilà, moi je matais les zinzins de l'espace, Oggy les cafards, Bob l'éponge, de rue, Pokémon. Tu sais, y'a pas de violence de fou, tu vois. Moi, je matais ça, tu vois. Tous les trucs sur Bully, etc. Et là, je passe à de la violence, tu vois. Tu sais, moi, à ce moment-là, je savais pas que c'était des animés japonais, moi. Tu sais, pour moi, c'est un dessin animé, entre guillemets. Et là, je vois, il se fait planter comme ça, Luffy. J'ai pété mon crâne. Waouh. Oh, c'est une scène masterclass, hein. Et en plus, Crocodile qui lui dit, arrête, des gamins comme toi, j'en vois tout le temps. Oh là là. Dinguerie ce moment. Ah, Usopp, c'était une dinguerie, Usopp.
Oh là là, le Zoro, il était incroyable contre Mister One. La Nanuski. Oh là là. Oh, Pelle, le fumier, Pelle. Qui se rappelle de Pelle? Oh, le fumier. Oh, cette scène, elle m'a fumé. Dans les bains. Oh, putain, Nami s'est mis à poil quand même devant le daron de Vivi, Cobra. Hein. Ce bon vieux Cobra. Hein. Le mec, il était... Bon, sa femme, elle est morte, mais... Le mec, il a quand même pissé du sang sur une gosse, quand même. Hein. Voilà, moi, je dis ça... Mineur, hein. Mineur. À ce moment-là, Nami a 17 ans. Hein. Bref. Prison. Oh, Robin, incroyable. Ah, c'est un HS. Putain. Oh, le HS, c'est pas le... Oh, le HS avec Pac... Non. C'est pas le... L'hippocampe, là. Non, je crois pas. Skypia, Ace. Oh là 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 là. Oh là là, cette scène. Cette scène en dit tellement. Non, 19 ans. Non, mais Nami a 19 ans aujourd'hui, mais à l'époque, non. Réfléchis, concentre-toi. Mais, oh, cette scène. Tous les hommes ont le droit de rêver. Oh là là. Non, mais cette scène... c'est le futur, ça. C'est le futur de One Piece, là, les deux, là. La première rencontre entre Marshall D. Teach, a.k.a. Barbe Noire, et Monkey D. Luffy. Quel banger. Scène grotesque, vraiment. Oh là là, Skypia. The Donut. Ah, les openings, en plus, incroyable. Nananana. Bon voyage! Oh, Robin, elle était incroyable. Oh là, oh, ça c'était une image de baiser, ça. Attends. Ça c'était une image de baiser, frère. L'élite de Skypia du jeu de NR. Oh là là. Zoro, Wiper, Ganford, le serpent, le mec de Lord Ali du Fer là. Oh, c'était pas encore le final parce que il était plus le mec là, le mec de Lord Ali du Fer. Mais oh là là, quelle image de baiser ça. Oh là là, Wiper, il était incroyable ce perso, vraiment. On n'en parle pas assez de Wiper, hein. Trop oublié alors qu'il avait un flow de malade. Hein. Voilà, c'était là. Oh, ces scènes. Oh non, mais vraiment, c'était incroyable. Hein. Oh là là, le prime de Sanji, ça. Hein. Ça, c'est du prime, hein. Attends. Non, elle était où? Elle était où, là? Montre Sanji, là. Oh, oh là là, cette image de Sanji, frère. Oh. C'est Ener qui l'électrocute et après, il dit merci pour la clope. Oh là 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 là, ça, c'est all time. Hein. Ça, c'est all time. Hein. Oh mon Dieu. Vraiment. Limite, j'avais commencé peut-être à remettre en question mon amour pour Zoro, enfin sur le duel. Mais non, Zoro toujours, mais j'avoue que là, il a frappé très très fort. Hein. Elle passait de, oh là là, Norland et Calgara, un des meilleurs flashbacks de tout One Piece. Hein. De toute façon, tous les flashbacks de One Piece sont incroyables, mais insane. Hein. Oh là là, l'image de Luffy. Ah, Skypia, incroyable. Insane. Alors ça, c'est le hors-série le plus drôle de tout One Piece. Ce hors-série, il est à mourir de rire. Ça, c'est le truc connu où t'as Luffy qui fait ça derrière le mec de la marine. Là, il passe derrière lui en mode bouffon. Ah, il était trop marrant. Sana. Oh, Foxy. Davy Backfight aussi. Ça, c'est un hors-série. Mais, non, attends. Ouais, c'est un hors-série. Incroyable. Vraiment énorme banger, hein. Vraiment. Voilà. Merci. Attends. Ça. Ce jeu-là. Zoro Sandy contre les géants qui jouent au foot. Énorme banger. Vraiment. Ouais, voilà, c'est pas un filler, j'avais un doute, mais c'est pas un filler, non. Énorme banger. Ça, j'ai... Juste pour ce match,
insane. Et après Luffy Afro. Luffy Afro, incroyable Luffy Afro. Mais je suis genre, la VF, honnêtement, la VF sur cette scène-là tabasse la VO. Vraiment. Tu peux parler avec moi pendant 10 ans, je serai jamais d'accord avec toi. Si tu me dis que la VO est meilleure que la VF sur ce moment-là. Quand Luffy rentre dans le ring avec Usopp qui dit, avec son accent anglais, tu vois là. Allez Luffy, bref, insane, insane. À mourir de rire. Ah voilà, c'est ça le truc de l'hippocampe là. Oh, Aokiji, oh, oh la dinguerie. Ouais, il va durer 10 ans ce stream, avec. Je mets tout en pause, mais parce que là, tu vois, on voit tous les moments. Ça là, Aokiji qui arrive. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui avec Ryoko Gyu. Je fais juste une aparté, bref. Tu vois, là, t'avais vraiment peur, ça. Oh là là, là, mais mec. Là, tu te pissais dessus, hein. Et il était à tout l'équipage, là, hein. Water 7. Oh, c'est là, One Piece était déjà une masterclass, tu vois. One Piece était déjà un énorme banger. Mais au moment où on arrivait à Water 7, c'est là où One Piece est rentré dans le panthéon des œuvres all-time. Vraiment. C'est à partir de là. Oh là là, trop de dinguerie, Tema. Usopp, Luffy, Franky là. Robin qui veut quitter l'équipage. Ça c'est pour Lucci, Kaku, CP9. Énorme banger. Le passé avec Tom. C'est trop frère. C'est trop incroyable. Sogeking frère. Sogeking. Ouah non. Dase Ashiri Dase Sonata Kaku. Oh là là mais mec. Non là Ignace le pff, voilà j'ai mis la pause au bon moment, c'était même pas voulu, c'est parfait. C'est voilà, là One Piece a atteint une autre dimension niveau combat, tu vois. Tu sais One Piece, il y avait des combats et tout mais c'était des étapes brutes, tu vois, genre là il y avait des stratégies à partir de là, t'avais des vrais pouvoirs, des stratégies et tout. C'est une dinguerie. Là niveau fight, c'est passé à un cap supérieur. Non, c'est une dinguerie Ignace Lobby, c'est trop. Pierre Sagan frère, j'ai pété mon crâne là. Ah, Bluno, il s'est fait éteindre. Oh oui, t'inquiète. Oh là là, je vais vivre. Qui connaît ça? Oh mon dieu, ils les ont mis. Oh les gouttes. En même temps, c'est tous les épisodes. Oh mes frères, ces épisodes de merde là. Oh, je suis KO. T'avais même les épisodes avec Chopper, tu sais, super-héros Chopper et tout, Chopperman là et tout. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ces vieux trucs de... Oh mon dieu. Ça c'était bien. Je vous jure, au nom de moi, je kiffais One Piece au Japon féodal. Oh putain, ça m'a rappelé des trucs, frère. Oh. One Piece au Japon féodal, c'était trop bien. Genre Luffy policier, tu sais, avec son truc là, le truc de smoker, tout ça. Je vous jure, je kiffais trop. Genre, foreshadowing Wano Kuni, hein. Attends. Est-ce que ça serait pas un foreshadowing de la Toei Animation? Parce que c'est pas dans le manga, ça. Attends, c'est une dinguerie, quand même. Non, mais par contre, je kiffais. J'aurais voulu qu'il y ait plus d'épisodes, honnêtement. Ça m'aurait pas dérangé. Quand tu voyais un peu ce que auraient fait les Mugiwara si c'était pas des pirates, t'avais Sanji et Nami qui s'occupaient du coup d'un restaurant, tu vois, Zoro c'était un chômeur. Non, c'est trop bien frère. Après il y a Wano, mais non parce que c'est pas la même là, tu vois, là c'est vraiment, ils ont des vies différentes, tu vois, c'est pas comme Wano Kuni. Oh là 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 là. On dit que Dieu a créé les aliments et le diable les épices. Diabolo Jumbo. Oh là 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 là. Là c'est un autre prime de Sanji. Bon après Zoro il a eu son prime aussi avec Ashura. Mais là les citations et tout. Sanji niveau punchline. En fait niveau punchline, Sanji c'est le plus fort de tout l'équipage. Vraiment. Toutes les punchlines qu'il a lancées aux méchants et tout, il les a éteints. Vraiment c'est le meilleur. S'il y avait des rappeurs, bon peut-être que Brook ce serait peut-être lui le plus fort. Mais Sanji trop fort. Oh là là, incroyable. Non mais cet arc...
Cet arc. Oh ouais, mais Kokoro aussi. Oh, le flop Kokoro par contre. Non, c'est trop. Le Mairi. Le Mairi. Oh, le Mairi. Non, mais vraiment, vous rendez compte quand même que. Vous rendez compte que One Piece nous a fait pleurer pour un bateau quand même. C'est une dinguerie. C'est un truc, il est pas humain. Enfin, nous, on sait qu'il est humain, que la Waterman, tout ça et tout, tu connais. Mais c'est une énorme dinguerie. Comment c'est émouvant. Avec la musique et tout. Les pleurs. C'est trop. C'est une dinguerie, ça. Vraiment, c'est la première fois que j'ai pleuré devant un animé. C'était à ce moment-là. Première fois. La révélation des origines de Luffy, frère, c'est du grand n'importe quoi, frère. C'est du bordel. C'est un énorme bordel, frère. C'est trop. Dragon, ça, c'était insane. Vraiment, l'arc post-Ignace Lobby, niveau révélation, trop de dinguerie. Trop de dinguerie. Je crois que t'avais aussi la rencontre Shanks Barbe Blanche, non? Gobi. Voilà. J'en parlais un instant. Oh là là, quelle dinguerie, frère. C'est trop. Kobe qui a grandi, d'ailleurs, c'était nice, ça. Mais là, quelle énorme dinguerie, frère. Oh, non, c'est trop. Juste après, t'as eu Ace, Barbe Noire, après. Non, c'est trop. L'arc post-Ignace... Déjà que Ignace Lobby, c'est un banger. Post-Ignace Lobby. Frère, je sais même plus quoi dire. Oh, ça c'est un banger, ça aussi. Zoro Babysitter avec son croc top là, incroyable. Ça m'a fumé, ça. Ça, j'en pouvais plus aussi. Ah, le Sunny. Oh là là. C'est là où le drame a commencé. On était heureux, en vrai de vrai, on était heureux. Ouais, on avait sauvé Robin, tout ça et tout, on était heureux. Voilà, ouais, mais moi je suis heureux. Nanana. Les problèmes là. C'est là où on a commencé à péter un câble. Ça y est. Et là, tu veux faire le beau gosse Ace. Reste dans l'équipage là, tu t'es fait éteindre. Purée. C'est comme si moi demain là, je m'embrouille avec quelqu'un, je vais chez lui et c'est lui qui m'éteint chez lui là. Vas-y, moi j'ai fait le trajet pour me faire étendre. Non. Ah, le HS, ça. Hein. Les voleurs de drapeau. Qu'est-ce que c'était chiant. Par contre, lui, il avait du putain de flow. Hein. Alors lui, il avait un flow de baiser. Hein. C'était juste avant Thriller Bark, là, les voleurs de drapeau pour voler le... D'ailleurs, j'ai pas compris le but, en fait. Je trouve que c'est éclaté. Genre, vraiment, heureusement que c'est un HS. Genre, en mode, tu voles le drapeau de l'équipage de pirates... Bah du coup tu voles leur prime. Mais t'es malade ou quoi? Moi j'en repeins un autre. Vas-y, garde hein. Garde. Genre j'ai pas compris le... Mais t'es pas concentrado là. Oh Brook. Putain, quel masterclass Brook. Vous savez que je me suis fait spoil Brook avant qu'il arrive dans l'équipage. En gros, bah, je crois que je devais être à Ignace Lobby, tu vois. Et là, j'ai acheté un jeu sur Wii qui s'appelle One Piece Ultimate Cruise, là. Sur Wii. Tu vois, je sais pas si vous connaissez. Par l'époque, incroyable. Et bah, dans la jaquette, t'avais un squelette. Et moi, j'ai dit, mais c'est qui ce squelette? C'est qui? T'es qui? Et j'ai appris que, bah, du coup, j'ai tout cassé, hein. Vous savez que... Alors ça c'est une dinguerie. Attendez, merde. Là. Merde, non. Non, attendez. Déjà, cette scène... Pourquoi je me pose? Parce que j'ai un truc à dire. Parce que j'ai fait une découverte et j'ai pété mon crâne. J'ai tout cassé. Vraiment, ça, gardez ça pour vous. Saviez-vous que... C'est la scène de Nami qui se fait attraper par... Absalom qui est invisible, voilà, effrayant. La Chopper et Usopp qui sont de l'autre côté, là, en train d'attendre. Genre, dinguerie. Et bah, sur YouTube, il y a des fans qui ont animé la scène parfaitement. Je dis bien parfaitement. On voit tout.
Mais quand je dis on voit tout, c'est qu'il n'y a pas les... Tu sais les trucs de buée nuage là? Et genre YouTube ne supprime pas cette vidéo. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Maintenant, faites ce que vous en voulez de cette information. Oh Ryuma, Ryuma, incroyable! Moria. Non, Thriller Bark est vraiment un arc incroyable, hein. Vraiment tout ce qu'il y a comme dinguerie. Même, tu vois, le bail avec Absalom, Nami, là, qu'on voit là. Genre Sanji qui allait sauver Nami, quand moi j'étais trop en mode Sanji, mon ref, va sauver ta meuf, bordel, tu vois. Oh, j'étais à fond. Oh, le passé, la Laboon. Oh là là, Zoro Ryuma. Oh là là, ce fight, il est all time. Et encore plus, maintenant, avec Wano Kuni, tu vois, l'importance de ce fight. C'est pour ça que, tu sais, il y a trop de dingueries, il y a trop de dingueries. T'as des bails de l'équipage des Rocks et tout, balance le lien. Mais non, j'ai pas le droit, vous êtes bêtes ou quoi? Réfléchissez au bout d'un moment. Je vous en parle déjà, c'est déjà un énorme cadeau que je vous fais. Déjà, rien que vous en parler, c'est un énorme cadeau. Faut pas demander la lune non plus, hein. C'est quoi ça? Claquez votre sub. Oh la dinguerie. Nightmare Luffy, Nightmare Luffy. Mais vous savez que aujourd'hui, si on fait un nouveau Nightmare Luffy, mais c'est le personnage le plus fort de tout One Piece. Non, y a aucun débat. Hein. Même déjà que tout ce qui se passe, bref, mais là, il solo la marine. Genre tu prends tout l'effectif de toute la marine du monde entier contre un Luffy Nightmare aujourd'hui. Il éteint toute la marine. Hein. Mais tout, hein. C'est fini, hein. Le monde n'est plus protégé par la marine. Hein. Zoro, frère, bon, on en parle pas, on va pas en parler 10 ans de cette scène, mais la scène de Zoro, Kuma, bref, all time aussi. Oh, le HS à la playa. Tout ce qu'on retient, c'est le bikini de Nami. Oh là là, Duval aussi. Masterclass Duval. Enfin, moi, je l'aime trop. Avec Sanji, ça m'a fait marrer. Pff, oh là là, le roi! Un roi devant nous, là! Genre, Rayleigh, Silver's Rayleigh. Le seigneur des ténèbres. Ah là là, putain, Shabondi, là, on y est. Énorme banger, l'archipel Shabondi, là. Pff, c'est trop, frère. C'est trop. Et dites-vous, là, on est à l'archipel des Shabondi, hein. On n'est même pas à la moitié de la vidéo. Alors que pourtant, c'est hyper loin l'archipel Shabondi dans One Piece. On n'est même pas à la moitié, frère. T'es mal, Pff, la meilleure patate, frère. La meilleure patate de tout One Piece, celle-là. Pff, oh là là, les trois. Même aujourd'hui, vous savez, vous-même, ceux qui lisent le manga, vous-même, vous savez. Voilà, il y a trop de symbolique, là, genre... Et c'est trop, le trio, les trois mousquetaires. Et là, le drame. Là, la PLS. Là, c'est une énorme PLS, là. Là, c'est ma deuxième grosse PLS de One Piece. J'ai pas pleuré, j'avais un peu les larmes aux yeux, j'étais là, mais comment on fait? Mais j'avais mis le cadenas. Mais je croyais que j'avais mis le cadenas. Mais comment on fait pour les retrouver, là, genre... Tu sais, moi, je disais, on fait quoi, là? C'est fini, One Piece, c'est... Genre, il va se passer quoi, là? Voilà, les grosses dingueries, hein. Énorme dinguerie, hein. Oh, le retour de l'HS, c'est incroyable. Ah ouais. Oh là 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 là, attends, je suis ébloui devant tant de beauté. Je suis ébloui. Mais cette scène, attends... Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez. Attends, je vais peut-être cacher ça, hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais moi j'estime que cette scène est une des plus grosses scènes all time de tout One Piece. Voilà. Mais je pense peut-être que certains sont pas prêts pour ce débat. Mais je trouve que cette scène est une sacrée masterclass quand même. Ça aussi, c'est une sacrée masterclass, hein.
Non, en vrai, moi je trouve que l'arc Amazon Lily est très bon. Enfin, pour ce qu'il est, tu vois, tu peux pas le comparer à un arc style Dressrosa, tout ça. Mais pour le concentré d'informations, de tout ce qui s'y passe et tout, je trouve que c'est un très bon arc aussi, hein. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça y est, là on arrive à Impel Down. Ouais, il introduit trop de choses parce que c'est dans l'arc Amazon Lily que t'apprends la guerre de Marineford, tu vois, par exemple. Mais ah ouais, là on arrive à Impel Down. Impel Down, quel arc. De toute façon, l'enchaînement, je pense que dans toute la Japanimation, il n'y a jamais eu de meilleur enchaînement. En tout cas, de moi, de mon humble avis, de tout ce que j'ai pu voir, j'ai vu quand même quasiment 400 animés. Du coup, voilà, je donne mon ressenti quand même. Il n'y a jamais eu meilleur enchaînement que Archipel Sabaody. En vrai, on peut comprendre Amazon Lily, même si c'est très court, tu vois. Amazon Lily, Impel Down, Marineford. Tu ne peux pas faire meilleur enchaînement. Non. Bonsoir, non. Arrête. C'est un enchaînement de baisers. C'est-à-dire que pendant des années, tu ne peux pas faire mieux sur la longueur. Tu me parles de Jiraiya Itachi Pain. Bonsoir, non. Parce que tu peux pas comparer. C'est tellement court. En vrai de vrai, Pain Itachi Jiraiya, c'est très bon. Mais c'est pas aussi long et aussi bien que One Piece, en fait. C'est très bon. Mais One Piece, faut se rendre compte de la durée, hein. Ça a duré des années, hein, ces arcs, hein. C'est trop. Oh, le HS. Oh là là, oh là là, Magellan. Oh, non mais même moi à ce moment-là, j'étais là, mais en fait, genre, c'est vraiment la détresse totale. C'est la détresse totale. Genre, tout le temps, là, si tu te dis, mais attends, hey, c'est l'exécution, c'est dans 24 heures, là, c'est là. C'est là. Le fils, là, tu te dis, mais il va pas aller se battre, là. Hein. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop, vraiment. Et là, Ivankov. Oh là 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 là. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes, les images parlent d'elles-mêmes. On en parle aussi, Magellan qui a quand même éteint l'équipage de Barbe Noire quand même, hein. Si Shiryu n'était pas là, Barbe Noire était mort, hein. Oh là là. Oh là, ça y est, on y est! Le meilleur arc all time, frère. Le meilleur arc all time, frère. Je vais le dire deux fois, trois fois, quatre fois, je vais le dire combien de fois? Ça sera même pas assez. Oh là 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 là. Attends, ce moment-là. Attends, non. Ce moment-là, attendez. Ce moment-là, je me rappellerai. Je me rappelle de chaque moment de l'arc parce que je l'ai vu. J'ai vu la réaction des Français, des Américains, des Japonais, des Espagnols. Uzumaki-kan, qui connaît Uzumaki-kan? Bref, et même moi de mon côté, je l'ai vu, mais genre, je ne sais combien de fois cet arc. Mais vraiment, je connais par cœur. Je connais par cœur. Même des dialogues, je te les ressors tranquille. Et là, ce moment-là, dinguerie, c'est là où t'as la révélation au monde entier que Luffy, c'est le fils de Dragon. Oh. C'est trop, et t'as tous les personnages qui parlent de Luffy. Moi j'adore ces scènes-là, j'adore quand ça parle de Luffy, les autres personnages parlent de Luffy. Ils sont choqués de lui, impressionnés. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Vraiment, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Big fan boy. Allez, moi je. Voilà, c'est ma vie, frère. C'est ma vie, c'est ma vie. Trop, trop, trop incroyable. Squardo, dégage, sale chien de merde, t'as dû crever. Oh là 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 là, les images, des images que je vois. Des images incroyables. Voilà. Ça, voilà. Là, on arrive au moment où le déni. Pour moi, c'était impensable. Tu dis. Ils sont intouchables. Ils sont intouchables. C'est des personnages tellement importants que ils peuvent pas mourir. Oui, vous savez, en plus, vous savez que l'émote pleure là de Twitch, c'est la tête de Ace, hein.
C'est la même tête. Bref. Là, j'ai trop la haine. On a tous pleuré. Moi, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Hein. Enfin, pour un personnage fictif. Pour d'autres trucs, c'est différent. Mais pour un personnage fictif, là, tout ça, j'ai jamais autant pleuré. Après, j'adore Ace, mais c'est pas. Et on a beaucoup eu cette discussion-là, et on est d'accord pour le dire, c'est qu'on n'a pas pleuré forcément pour Ace, même si c'est un peu le cas, on a quand même pleuré pour Ace. Mais on a beaucoup plus pleuré pour Luffy, en fait, pour sa réaction. Tu sais, on a vu Luffy, il a fait des sacrifices, il a renoncé à son équipage, il a frôlé la mort, il a traversé tellement de trucs, il a gaspillé des années de sa vie pour être en forme et tout. Tout ça, pourquoi au final? Bah pour rien. Tout ça parce que son frère, c'est un putain de bouffon qui ne veut même pas faire au moins une fois de sa vie la Zoulette. Et accepter le fait qu'il est moins fort que Akainu. Voilà. Genre vraiment. Il a juste parce qu'il a voulu faire le bonhomme. Alors que frère, déjà tu t'es fait éteindre par Barbe Noire, sale connard. Maintenant, tu vas nous écouter et tu vas te tailler, connard. Non mais faut dire les termes. Arrête de te battre, tu te fais tout le temps éteindre. Vas-y. Trop la haine. Mais. Chier. Trop con. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est la meilleure entrée en scène all time? S'il vous plaît, oui. 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 Vraiment oui. Bonsoir, oui. Vraiment, qui s'y attendait? Honnêtement, personne ne. Même si tu fais des théories, hein. Personne, hormis Eiichiro Oda, pouvait prédire ça, parce que c'est lui qui a fait. Personne, frère. Personne. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Parce que souvent, t'as des entrées en scène qui sont incroyables, mais d'un côté, tu dis dans un petit coin de ta tête que, ouais, lui, il va arriver, tu vois, parce que, bref, c'est logique. Shanks, non. Non. Non, mon frère. C'est beaucoup trop incroyable. Déjà, en plus, il y a eu le discours de Kobe. Kobe, incroyable, masterclass MVP. Hein, faut qu'on en parle aussi. Hein. J'ai beaucoup aimé son passage. Le message qu'il a dit et tout. C'est vrai qu'on. Beaucoup de victimes inutiles et tout, là. Non, c'est trop. Non, c'est all time. Putain, pour toutes ces choses-là, Marineford, c'est le meilleur arc all time. Ah oui! Attends, y'a. Qui connaît? Ça, c'est un hors-série que très peu de gens connaissent, où en gros, t'avais un mix de plusieurs animés de la Toei Animation. Du coup, t'avais en fait un épisode spécial Dragon Ball, One Piece, Toriko. Et du coup, t'avais des personnages des trois univers qui sont rassemblés dans une île. Et du coup, t'avais une chasse et tout, trésor, tournoi et tout. Et c'était vraiment stylé, crossover, ouais. C'était vraiment stylé. Voilà. Et t'en as eu un autre plus tard. Ah non, là c'était que Toriko, merde, mais j'ai mélangé. Non, là c'est que One Piece Toriko, et le prochain, c'est One Piece Toriko Dragon Ball, oui. On le verra. Ah voilà, le Mont Corvo, les trois frères, ah là là. Un hit, avec le meilleur opening. Enfin, le 11e. Bah lui il est incroyable aussi quand même. C'est mon deuxième préf. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Ça y est, là, attends, laissez-nous faire la transition quand même là. Laissez-nous. Voilà, c'est épisode 516 One Piece. Passe. Vraiment, fais une pause. Fais, voilà. Il y a une pause dans l'anime, une pause pour nous aussi. Bon, on vit une pause actuellement dans One Piece là. Pour la saga finale. Et là, c'est pour passer aux 2 ans plus tard. Pff, quelle dinguerie quand même. Non mais ça c'est incroyable. Luffy se fait entraîner par Rayleigh, le second du roi des pirates. Là on passe à un nouveau One Piece là. Pff, quelle dinguerie. Quelle transition. Oh la 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 la. Shino Bigo. Les hommes poissons. Oh là là, on en parle que Zoro a éteint quand même un homme poisson drogué, boosté aux hormones, hein, dans son élément naturel quand même. Genre. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a vu la démonstration de force des Mugiwara. C'était ça en fait un des problèmes de l'arc de l'île des hommes poissons, c'est qu'il y avait une bonne thématique, il y avait des bons trucs, tout ça et tout. Mais en fait,
les adversaires étaient tellement nuls que les Moogies n'étaient même pas à leur plein potentiel. Du coup, on se disait, oui, ils ont progressé, mais c'est quoi leur limite? On ne sait pas. Parce que tellement ils sont nuls. Du coup, ils ont pas pu donner leur max. Ah non, ils se sont fait éteindre, frère. Vraiment. Oh là. Fisher Tiger, quel homme. Incroyable. Incroyable. Ah voilà, il était là, le truc. Non, ouais, je crois que c'est celui-là, ouais. Bref. Oh, le passé, il est incroyable, celui-là. Ah, Jimbe. Oh là là là. Là, ils montraient leur puissance, là. Oh, Zoro. Le Red Hawk. Oh, le Red Hawk, c'était une énorme masterclass, ça aussi, le Red Hawk. Oh, la dinguerie. La plus belle scène de tout l'arc. Merde. Attends. La plus belle scène de tout l'arc. Et c'est cette scène qui m'a fait plus apprécier l'arc de l'île des hommes-poissons. Parce qu'il y a aussi d'autres trucs que j'ai aimés, mais vraiment cette scène, je la trouve tellement belle avec le discours qu'il y a eu aussi, tout ça, vraiment magnifique. En plus, Jinbei, tu vois, je l'adore, c'est dans mon cœur depuis Impel Down Marineford. Jinbei, c'est dans le cœur, tu vois. Moi, je voulais qu'il rejoigne l'équipage, tu vois. Moi, je voulais. Bon, il a rejoint au final, mais ça a mis du temps quand même. Oh non, magnifique. Allez. Et là, on est enfin arrivé dans le nouveau monde. J'ai bugué parce que, attends. Ah oui, non, ça, c'est les persos du film Z, là. C'était un préquel, là, du film. Ouais, là, on est arrivé dans le nouveau monde. Dinguerie, ça y est, là, on est dans le monde de la piraterie, mais genre dur, là. Oh, Punk Hazard. Kinemon. Là, quand même, dites-vous, là. Tout ce qui se passe, c'est passé à Wano Kuni, ça a été préparé là depuis l'épisode 580 et quelques, tu vois. Genre, c'est là que ça a commencé la saga des 4 empereurs et tout, là. Enfin, le bail, vraiment, le... C'est trop. Ça a duré la moitié de One Piece, quand même, hein. Ça a duré la moitié de One Piece, quasiment. C'est trop, frère. Oh, c'est là que tu te rends compte, putain. Qu'est-ce que ce fut long. C'est enfin fini, bordel. Enfin, dans le manga, pas encore l'animé. Ah oui, là, voilà, je vais peut-être pas m'arrêter sur cette image parce que bizarre. Mais c'est à ce moment-là qu'on avait appris que l'eau était devenue un Shichibukai. Qui était choqué? Oh, tout le monde était choqué. Même moi, j'ai pété mon crâne. L'eau Shichibukai. J'ai pété mon crâne quand on avait appris à ce moment-là. En plus, il a éteint ce moqueur. So hands up. Le début de l'alliance là. Punk Hazard, c'était vraiment cool. C'était sympa. Rod Doflamingo. Momonosuke. Ah là 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 là. Oh, ce moment, la monnaie Zoro, c'était un énorme banger. Hein. Moi. J'allais dire un truc, mais comme c'est pas encore dans l'animé, j'ai pas envie d'en parler, tu vois. Mais à ce moment-là, il y a eu un début Zoro sur quelque chose. Je suis sûr. Oh là là, la scène de l'eau contre merde. Oh, j'ai un trou de mémoire. J'ai trouvé. Vergo. Non, j'ai pas regardé le chat. Non, je ne regarderai pas. Moi, je le trouve tout seul. C'est One Piece, c'est mon cœur. Bref, ouais, Vergo, c'est un énorme banger sur le discours de l'eau là. Ouais, pendant 2 ans, il ne s'est rien passé, tout le monde se prépare pour une guerre, etc. On a mis le... On a enlevé le verrou, tout ça, enfin, c'est trop. Ouais, l'engrenage. Oh là là. Non, pas ça. Attends. Oh là là. Choto Mate. Non, Choto Mate là, non, je sais plus. Non, il dit Choto Mate là. Oh là, bref. Oh là là. Non, oh, c'est trop. C'est une énorme masterclass, ça. C'est...
Okiji. Kuzan. Kuzan, excusez-moi. Kuzan. Oh, lui c'est un goth, hein. Ce HS là, le petit Kong là de Alabasta avec la croix de Luffy qui est tombé fan de lui, il maîtrise le haki, frère. Même Usopp ne maîtrise pas le haki de l'armement, enfin, genre Franky, Brook et tout. Genre, quand même, c'est une dinguerie, quoi. Et Dressrosa. Le CP0. Oh là là, quel banger. Quel banger, cette scène. Attends. Ouais, ouais, ça aussi. Oh là là, cette scène là de Fujitora, de Flamingo et Lo là avec le météore, c'est trop. Oh là là, Don Chin Zhao contre Luffy, ça aussi c'est un énorme banger, hein. Attends, ça passe trop vite les secondes, hein. Don Chin Zhao Luffy, oh la dinguerie avec l'OST là, parce que c'est la première fois qu'on a eu l'OST là, vraiment l'OST épique là, je sais pas si vous l'avez en tête là, le tintin, enfin bref, pff, c'était du grand n'importe quoi là, insane avec le haki des rois, pff, oh là là là, les regards qui se jetaient, pff. Oh, le passé d'Anna Rebecca. Oh là là. Là, c'était Sabo, là. Pff, l'arrivée de Sabo. En fait, on commençait déjà à avoir des doutes, tu vois. C'est parce que là, c'est à cette période-là que moi aussi, je commençais vraiment pas mal à traîner sur Internet, théorie, tout ça, One Piece sur les forums. Moi, j'allais sur des forums, frère. Genre, terrible. Et c'était même pas genre Twitter et tout, c'était des forums. Et forme One Piece, je sais pas quoi. Et ça commençait à dire, ouais, Sabo, il y a peut-être moyen que, voilà, Dragon l'ait sauvé, tout ça et tout. Ça commençait à venir et tout. Et là, c'est officialisé, c'était une dinguerie, Sabo, le retour. Oh là là. Trop content. Oh là là. Usopp, je crois que c'est là Usopp où il avait éteint Sugar, incroyable. Non, c'était pas ce moment-là, c'était pas encore avec le gros truc. Oh là 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 là. Oh là là, Sabo. Quel kiff, non, vraiment, merci d'être là. Oh, la Birdcage. Oh là 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 là. Sabo contre la marine, il avait éteint le vice-amiral là. C'était un vice-amiral, oh là 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 là. Après il a frotté Fujitora, quel banger. Oh là là, Zoro. Oh là là, oh là là, le Red Hawk Switch. Tu sais, normalement c'était vraiment leur stratégie finale, tu vois, Aloy et Luffy. Luffy c'est un bourrin. Il allait direct. Ah, je suis mort. Ah, incroyable. Incrédible, ça. Shambles. Le passé de l'eau, c'est... Avec Corazon, c'est l'un des passés... Je pense top 3 One Piece les plus tristes. Hein. Vraiment. Pour moi, là, genre... Dinguerie. Voilà. Oh là là, Diamante. Voilà, Zoro qui avait éteint. Voilà, mais quand il a coupé Pika, c'était incroyable. Hein. Tout le monde était choqué. Moi, ce que j'adore dans One Piece, c'est la réaction des autres personnages. Je pense que vous aussi. Tu sais, genre, t'as Luffy, t'as etc. Même, voilà, Zoro qui font une dinguerie. Et voir la réaction des autres personnages, c'est là où tu te rends compte encore plus de la dinguerie que c'est, tu vois. Et moi, j'adore, c'est dans mes veines, ça. Oh là là, cette scène, elle est tellement incroyable. T'as l'eau qui va mourir, tu vois, il est là en mode là, chic sang et tout, il est là, c'est bon, c'est échoué, j'ai pas réussi à venger Corazon, je suis mort. Le fil arrive, claquette. Bam. Haki de l'armement, haki des rois. Choc haki des rois. Pff, ça tape dans... ça. Tout le monde le voit dans Dressrosa, c'est une dinguerie.
grotesque cette scène, hein. Vraiment, c'est incroyable. Oh là là, l'arrivée du Gear 4. Oh là là, quelle dinguerie. Oh, le Gear 4. Et la victoire. Incroyable. La première apparition de Kaido. La première apparition de Kaido au 100 bêtes. C'est... L'introduction, elle est énormément banger. Hein. C'est un énorme banger. Hein. Vraiment. La flotte de Luffy et les nouvelles primes et tout. Ah là là là, insane. THS là, hop là, hop, Mugold. Weeble, arrivé sur Zoo. Ah oui, cette scène, elle c'était abusé. Genre, tu sais, nous on est au courant de rien parce que du coup, ouais, l'équipage s'était séparé entre Dressrosa et Zoo là, à cause du bateau de Big Mom. Et du coup, là, on a Luffy et tout qui arrive, la team Dressrosa qui arrive, Nami qui saute sur Luffy en pleurs. Nous, on est tous là, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on voyait pas Sanji, là. On l'a compris, là. Oh, c'était une dinguerie, là. Les théories de l'époque, ouais, il y a eu tellement de théories et tout. Et là, énorme banger. Cette scène est un énorme banger. Vraiment. Genre, énorme respect, mais genre, les Minx. Oh, c'est incroyable. Genre, c'est indescriptible. Hein. C'est vraiment indescriptible. Hein. Ils étaient là en train de. Ils allaient mourir, ils perdaient tout. L'île allait se faire éteindre. Tout ça pour conserver Raizo, frère. C'est genre. C'est n'importe quoi, genre. Abusé, énorme respect, hein. Vraiment, parce que même nous on se disait, non mais arrêtez les Minx, vous avez forcément gardé Raizo. C'est vraiment, même l'équipage disait ça et tout, même avec Jack et tout, ça insistait. Mais après, au bout d'un moment, on s'est dit, vas-y, on a lâché, tu vois, on a dit, ouais, bah non, il est pas là, tu vois. Et bah si, frère, c'est trop. Europe Poneglyph, Sunesha, oh là là. Oh là là, là et là, ouais, on avait vu Kid. Là, du coup, début de la rêverie. Dinguerie qui allait arriver avec Vivi, là. Et là, on voit Kaido qui parle et tout, parce qu'il lit le journal par rapport à Doflamingo et tout. Et là, on voit que Kid, il s'est fait éteindre en prison. Oh là là, on a tous... De toute façon, on savait. Avec l'apparition de Kaido, juste avant, on savait que ça allait finir comme ça. Mais quand même, le voir et tout, c'est trop. Alors là, ils ont voulu faire un remake du... Attends. Ouais, je l'ai plus. Oh, tant pis. Juste avant, ils voulaient faire un remake du G8, mais c'était un flop. Bon. Le premier baiser de Luffy. C'est pas Hancock. C'est Raiju. La sœur de Sanji. Biza. Big Mom. Oh, les énormes balls de Jinbei. Attendez. Les énormes balls de Jinbei. Quelle scène masterclass quand même, hein. Ça c'est un énorme banger, The Bee, hein. Oh là, c'est pour ça que j'adore Jinbei, frère, je dans le cœur à jamais, frère. Bien sûr qu'il c'est un Mugi. Enfin, il l'est maintenant, mais qu'il le méritait depuis bien longtemps même déjà. Hop là, dead or life. Il dit life. Et là Bimam elle rigole parce qu'elle se dit, mais bien sûr que t'as peur de moi, tu vas crever. Hop, et là elle s'arrête. Et Jinbei lui dit, pourquoi j'aurais peur d'une simple Yonko alors que je vais rejoindre l'équipage du futur roi des pirates? Oh là là, dans mon cœur, mon gâté! Dans mon cœur! Oh là là, mais putain! Oh, j'avais le barreau, frère! Non, c'est trop! Oh là là, Cracker! Et Germa. À le passé. Le passé de Sanji, triste, hein. Franchement, dinguerie. En vrai, genre, niveau Mugiwara, enfin, ils sont tous complexes, mais Sanji, il y a vraiment eu un truc tellement complexe sur lui. Il a eu un double flashback, parce que nous, on s'est dit, le seul flashback de Sanji, c'est avec Zef.
Mais en fait, non, tu vois. Et même depuis, genre, bien avant Skypia, il y avait eu des indices comme quoi Sanji, il connaissait, genre, Grand Line et tout. Genre, c'est une dinguerie. Tu sais, quand il était dans la maison du descendant de Norland, là, il disait ouais, mais moi, j'ai déjà vu des bateaux, tout ça, etc. Ouais, je connais cette histoire, etc. Non, c'est une dinguerie. Oh là là là, Brook contre Big Mom, est-ce qu'on peut en parler aussi? Non mais ça c'est une énorme masterclass. Et les journaux n'en ont même pas parlé de ça. Hein. Vraiment. Hein. C'est trop. Nous on sait Brook, nous on sait, t'inquiète pas. Prime de Brook actuellement, hein. C'est son prime. Hein. Incroyable, énorme masterclass. Le mec, il affronte Big Mom en 1v1 là. Ensuite, bam, il vole. Poneglyph, Rod Poneglyph, il dort avec Big Mom. Carrément, il a le culot de dormir avec Big Mom, hein. Hop là, petite nuit en Tsum Tsum, tac tac tac. Ensuite, il se taille, il a volé. Ensuite, portrait de Mother Carmel, il le casse. Non, vraiment, masterclass, frère. Ah oui. Oh, scène vraiment stylée cette scène, hein. Vraiment stylée cette scène, hein. Le mariage. Oh, le passé de Big Mom. Oh, le passé de Big Mom tellement dégueulasse, effrayant, frère. Cannibalisme, Tark Hannibal. Ah ouais. Oh là 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 là, quand il casse la glace. Voilà, Nami lui dit, viens, reviens Luffy, tu reviens. Tu vas où? Reste là. Bam, c'est moi le capitaine. Et je vais éteindre Katakuri. Pff, oh là 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 là. Vas-y. Oh là là, quel combat incroyable. Oh, carotte en Soulong. Oh là là. Vraiment, la meilleure transfo de Luffy, si on enlève, vous savez quoi. Si on enlève, vous savez quoi, c'est la transfo de Luffy la plus stylée. Vraiment, ce Gear 4 Snake Man, il est juste... Oh, je... Waouh, tu vois, encore, tu vois, le Gear 4 Bond Man, il est cool, tu vois, il est puissant et tout, mais niveau flow, voilà, quoi. Vous-même, vous savez. Mais alors, le Snake Man, il a tout. Il a vraiment tout pour plaire. Il est incroyable. Vraiment, merci. Merci. Alors, Gear Second, ce n'est pas une transformation. Comment, c'est... Enfin, dire oui, mais... Bondsman, je dis Bondsman. Bref, mais Gear Second, c'est juste de la fumée, quoi. Genre, son corps ne change pas, quoi, vraiment. De toute façon, j'ai Bondsman, oui, j'ai bandé, bref. Oh là là, t'as toujours un sourire. Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Arrête de sourire. Dès qu'on te voit, tu souris, frère. Arrête. Là aussi, quand Wano Kuni va se finir, tu vas sourire. Non, il va voir il va pas Luffy, un autre personnage, il va voir lui, il va sourire aussi. Oh là là, toi là. Ton, t'as vu, hein. La rêverie. Putain. Ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va le dire encore parce que même aujourd'hui, on sait pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je vais péter mon crâne, c'est quoi ça? Secret de Marie-Joie? Non! Parce que si ça l'était, Doflamingo, parce qu'on sait que Doflamingo sait c'est quoi le secret de Marie-Joie. Il aurait vu le chapeau de paille de Luffy, il aurait fait l'allusion. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais genre, c'est même pas un petit chapeau de paille, hein, parce que t'as vu la taille de l'affiche là? C'est pas un petit chapeau de paille, frère. Mais je vais câbler. Genre.
C'est trop. Oh la rêve. Non mais vraiment la rêverie. De toute façon, tu vois, la rêverie, on s'est arrêté sur ça là, à peu près. Maintenant, moi je veux que les prochains chapitres de One Piece, ça soit la suite de ça. Hein. Ah non, c'est bon là, on a trop attendu là. Hein. Wano Kuni, let's go! Wano, frère! Oh là là, non mais. Attends. Non mais, genre, je sors de cette image, tellement de charisme et de flow sur cette image que je m'en vais. Que je m'en vais. Oh là là. C'est tellement beau. En plus, je me rappelle de leur retrouvaille. Luffy, il était tellement content et Zoro aussi. Tellement que Luffy, il a mis sa bite sur la bouche de Zoro, frère. Tu sais que je mens pas quand je dis ça. Tu sais, si tu revois la scène dans ta tête, tu sais que ce que je dis, c'est vrai. Bref. Otama, Toki. Vous me croyez pas? Zoro, Luffy, je sais pas ce que je tape, Wano, Retrouvaille, je pense qu'ils m'ont forcément. Allez, bah c'est bon, merci. Vous ne me croyez pas? Orange là, bande d'assassins. Mina, Shimata. Vas-y, passe. Attends, mais il y a encore un bug orange là? Attends, je vais vriller moi. Je vais vriller The Bee. Oh, c'est bon. Dites, écrivez recharger pour le chat là, pour les autres et tout là. Wesh. Ah mais j'en peux plus moi. Moi je peux plus travailler dans ces conditions moi frère. Wesh. Tout le monde, c'est bon. Attends, on était à où vous en... Parce que attends, moi je sais pas où on était parce que vous ça a bugué mais moi je pensais pas. On en était à où? Je faisais quoi? Je disais quoi? Donc là, merci les refs pour ce qui est recharger. J'en étais à où là? Toki? La mère de Momo. Luffy et Zoro. Non mais. Ouais, attends, ouais, y'en a, vous avez du délai là. Vous avez pas entendu quand j'ai parlé de Luffy Zoro beat? Vous avez pas entendu ça? Si. Non. Ouais, y'en a, vous regardez le live sur Blackberry ou quoi? Ça s'envoie sur Game Boy, là. Attendez, ouais, du coup, je vous disais, la scène de Zoro et Luffy, les retrouvailles. Hey, Zoro! Orda! Oh! Ah, j'adore leur retrouvaille. Tema, c'est sourire, frère. Tema, c'est sourire. La seule fois où Zoro lâche un sourire aussi grand, c'est quand il boit de l'alcool, frère. Genre, le seul moment où Zoro sourit comme ça, c'est quand il s'envoie, frère. Shiketanoka! Yatto eta! Yahoo! Voilà. Voilà. Allez, sus. Bon. Alors, reprenons. Le ventre, frère, juste en dessous du ventre, il y a ça. Il est courbé quand même, Luffy. Il est courbé. Ah, vas-y, vous êtes pas drôle. Franchement, la team premier degré, franchement, vous méritez pas d'être sur Twitch. Oh, attends, merde. Oh
Oh là, l'arrivée de Kaido. L'arrivée de Kaido, moi je m'en rappellerai toujours en manga. L'arrivée de Kaido, la planche là, la planche. Quand on a vu le dragon là, oh, j'ai crié. Ben, comme vous tous de toute façon. Mais j'ai pété mon crâne. Oh, le flow qu'il avait sur la planche là. Genre, c'est le chapitre s'était arrêté sur ça. Oh, c'était genre Zouez, The Dragon. Genre le flow de malade. Dinguerie. Oh, le kiff. Incroyable, j'étais trop content. Parce que c'est vrai que dans One Piece, moi j'aime beaucoup les dragons, tu sais, tout ce qui est reptile. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de dragon dans One Piece. Enfin, on a eu le dragon de Punk Hazard, mais vas-y, Momonosuke. Ah. Enfin, coqueux, bref. Et là, le Kaido là. Pff, il est magnifique. Incroyable. Après, Luffy s'est fait éteindre. Hein. Bonsoir, qui est surpris? Personne. En même temps, frère, Luffy, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'il y a un gros antagoniste dans un arc, il se fait toujours éteindre au début. Voilà, Crocodile, on l'avait vu tout à l'heure. Là, on avait revu la scène du crochet. Hop là. Lucci, il s'est fait éteindre dans l'immeuble et tout, là. Tu vois, Luffy, il aime bien se faire éteindre au début par le méchant, l'antagoniste de l'arc. Tu vois, il aime bien, au début, le tester, voir comment ça, il se fait niquer. Hop là, pour après le marave après, tu vois. Et Barbe Noire dinguerie. Très bon épisode, ça. Très très bon. Mais je sais pas, le caméraman, il a filmé derrière alors qu'il filmait devant avant. Je comprends pas pourquoi il a changé. C'est peut-être panne technique. Hein. Ça arrive. Hein. Peut-être qu'il y avait plus de batterie dans la caméra. Oh là là, ça c'était incroyable, ça, quand même. Hein. Ça, c'était sacrément incroyable. Hein. Oh là là, l'animation, là. Killer contre Zoro. Waouh, l'animation, juste tu vois l'arrêt sur image, l'animation, c'est n'importe quoi. Waouh, c'est un énorme banger, ça. Pff, oh là là, masterclass. Vraiment, hein. De toute façon, niveau combat, c'est, hormis Luffy, c'est l'arc de Zoro. Et ceux qui lisent le manga, vous savez. Voilà, c'est l'arc de Zoro pour d'autres choses aussi. Genre, ça s'envoie. Ça fait des gosses et tout, en plus. Genre, c'est l'arc de Zoro, frère. Genre, le mec, il se met bien, hein. Oh, c'est une ordure, il partage même pas, en plus. Incroyable cette scène aussi. Big Mom qui arrive du coup là, Onigashima, qui avait les souvenirs oubliés et tout là. C'était marrant ça, le fait que Big Mom avait oublié ses souvenirs. Ça c'était en vrai, je trouve que ça lui allait bien, Big Mom. Parce que tu vois, c'est, comme on avait vu, c'est une enfant en vrai, Big Mom, tu vois. Genre, du coup, ça lui allait bien et je trouve que c'était trop trop bien comme idée. Oh là là, oh là là, mais oh, tu me montres des images comme ça me fait plaisir. Crunchyroll ont choisi Bo Hancock pour représenter l'épisode 957, aka l'un des plus beaux épisodes niveau vraiment direction artistique, animation de tout One Piece. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode où ça racontait du coup l'abolition des Shichibukai, la présentation de, voilà, du monde de One Piece, tu vois, les marines, tout, c'était magnifique. L'épisode, il était incroyable. Incroyable. Ah, magnifique cet épisode. Dinguerie. Vraiment, c'était un film. L'épisode, c'était un film. Comment c'était montré et tout, tu vois. Je l'ai même revu, je crois. Je vais le revoir à un moment donné, là, bientôt, là. Non. Non, mais Johan, toi, tu me parles du 1015. Concentre-toi. Genre, lui, il est incomparable. En fait, l'épisode 957 de One Piece, là, qu'on a vu avant, il est incomparable aux autres parce que c'est, en fait, c'est un autre truc. Je sais pas, il faut le voir pour comprendre, en fait. C'est que la direction artistique, c'était genre complètement différent, enfin c'est la même animation, mais les plans qu'il y avait et tout, c'était un autre truc. Oh là là là, Roger Barbe. Non mais est-ce que on peut parler de ce flashback quand même, ce cadeau que Oda nous a fait quand même. Attends. Le passé de Oden. Est-ce que ce cadeau là, ce cadeau que Oda nous a fait, je suis tellement heureux, gros. Incroyable. On ait pu suivre un peu l'aventure de Roger comme ça à travers Oden. Bon, Oden le GOAT évidemment, mais tu vois, suivre Roger. Ah là 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 là, incroyable. Quel flashback. Vraiment, si on enlève la tristesse et tout, niveau hype, c'est mon flashback préféré de tout One Piece. Hein. Non, vraiment.
Parce qu'après, il y a des flashbacks que j'aime bien parce que voilà, il y a aussi le côté cœur parce que voilà, entre guillemets, la mort de personnage, etc. Mais voilà, c'est trop là. Là, c'est Oden là, oui, c'est Oden là. Mais je vous parle parce que après, il y a eu Roger Barbe Blanche. C'est trop. Oh là là. Oh bah voilà, on y est. On y est. Oh mon dieu, quelle masterclass, frère. Pff, oh mon dieu, mais. Ah là là, c'est oui. C'est oui. Voilà. Ça, je me rappelle comme si c'était hier. Le chapitre venait de sortir. Là, je vous parle du manga, après, c'est la même scène, tu vois. Le chapitre venait de sortir. J'étais ici, dans cette position. J'étais là. Allongé comme ça. Je lisais le chapitre. Je suis arrivé sur la page. Il riait. Les larmes aux yeux. Les larmes comme ça. C'est pas de tristesse, mais d'émotion. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé comme ça, là. J'étais choqué. C'est comme un aboutissement, je sais pas. Et même le fait de vous en parler là, maintenant, ça me procure un truc. Genre réel. Là, mes yeux, j'ai un peu d'eau. Genre vraiment, c'est ça que j'adore avec One Piece. C'est vrai, c'est dans mon cœur, frère. C'est que... Bon, c'est ici. C'est inexplicable, c'est ici, là. Dans le cœur, c'est trop. C'est trop. La mort de Oden. Incroyable. Voilà, Jinbei qui rejoint la team. Tu sais, parce que il y avait beaucoup de théories sur Jinbei, ça disait que ouais, il a on sait même toujours pas ce qui s'est passé encore hein, aujourd'hui hein. Même si on a revu Big Mom, Jinbei, on sait pas ce qui s'est passé hein, après que Luffy et compagnie soient partis hein. Comment il a pu rester normal, tu vois. On sait pas ce qui s'est passé. On s'est dit ouais, il a peut-être perdu une jambe. Cicatrice, je sais pas, rien du tout. Vraiment rien du tout. Imagine, il a perdu des années de sa vie. Et Tobi Roppo. Yamato, c'est oui. La nouvelle Mugiwara, évidemment. Hein. Moi, je le dis, elle est Mugiwara, moi. Hop là. Ah, Yamato, incroyable. Pa. Ah cette image. Parce que là du coup ouais, c'est les 1000 épisodes là. Pa la la la. Les Mugiwara. Épisode 1000. Pa la 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 la. L'épisode 1000 n'était pas si incroyable que ça. J'étais déçu. J'ai vraiment été déçu de... De l'épisode 1000 de One Piece. Ils ont voulu faire un truc et tout. Il y avait des trucs stylés, mais... pas si bien que ça, finalement. Genre lent et tout, quoi. Mais bref. On s'en fout. Page incroyable des Mugiwara. Qui rappelle, du coup... Parce que là, ils sont tous ensemble, du coup. Qui rappelle celle de... très connue de l'île des hommes-poissons. Où ils arrivent tous, là. Oh là là, non. Là, il y a Jinbei en plus. Bon, Jinbei, il était même là, à ce moment-là, en plus. Ah, magnifique. Vraiment, voilà. Là maintenant on est quoi, on est à 1000, on est à 1000 combien là maintenant? Je crois que j'oublie les chiffres. On est à 1021 non, un truc comme ça non? Attends. Sur le chat vous allez me dire direct. On a combien exactement là aujourd'hui? 1022, voilà, j'ai mis 21, ouais, 1022. Ouais voilà, tu vois. Putain, ah là 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 là, et ça avance et encore. Je pense on va taper les 1500, hein, y a moyen. Ah frère, parti comme ça là, avec le rythme de l'animé, ce qu'il y a tout encore à animer de Onigashima là, on va partir sur les 1500 frère hein, pour tout One Piece, hein, vraiment hein. En tout cas c'était sacrément incroyable quand même, hein. Vous avez kiffé ou pas? Dites-vous, la vidéo elle dure 17 minutes, mais tellement on a parlé, on a échangé tout ça et tout, ça fait une heure et quelques qu'on est sur cette vidéo quand même. Genre, dans grosse dinguerie, genre One Piece, meilleure œuvre de tous les temps, dans le cœur, masterclass. Là, tu vois, là, revoir tous les moments, ça m'a rappelé les souvenirs quand j'étais petit et tout. Je pense vous aussi. C'est indescriptible tellement c'est beau. Vraiment, je pourrais mourir pour cette œuvre, mais j'ai un amour profond pour cette œuvre, quoi. Et vous aussi, quoi. Enfin, la majorité, quoi.